tout euh, comment il est, avec euh, grand plaisir, comme il retrouve euh, Zordi pour la cuisine, notre pays de la Réunion, avec un carré volaille, carré poulet, comme Zordi veut, et euh, c'est un carré euh, qui est très apprécié hein, partout euh, dans notre pays euh, ici, et puis euh, bah, il y a aussi dans le monde, il y a des gens qui font carré volaille, il Réunionnais habitant en France, dans d'autres parties, bah, il fait ce fameux carré volaille. Carré volaille, pas besoin de trop, trop grand chose pour faire, hein. euh, ça c'est les épices de base, comme il monte Zordi, tomates, euh, euh, le thym, il faut à nous aussi euh, des oignons, il faut de l'ail, du poivre, enfin nous, si tu veux mettre une feuille de 4 épices dedans, tu peux mettre une feuille de, de 4 épices dedans, elle n'est pas mauvais non plus, mais après, 4 épices, comme il dit, elle est assez fort et euh, risquable d'être vraiment épicé Donc après, on a des gens qui n'aiment pas trop épicé donc 4 épices, les facultatifs. Et puis euh, là-dedans, nous pourrait mettre des, de la coriandre, hein, la coriandre, faut mettre à la fin euh, pour, euh, pour, en décoration et aussi, sinon, ça, euh, les queues de coriandre, je peux mettre dedans. Alors là, comme nous voilà, le, le carri volaille commence comme ça. Nous met un marmite à chauffer, avec euh, bien chaud, même. On a l'habitude de faire, faire que manger avec le feu vif. Et donc, euh, mi ajoute euh, deux cuillères d'huile à peu près, deux à trois cuillères d'huile là-dedans. Mais il faut faire très attention parce que le volaille lui-même, le poulet, euh, bah, lui rend un peu ses, son, son huile. Hein, parce que les volailles comme elle a, c'est gras. Hein, euh, donc voilà. Donc euh, là comme ça tu euh, nous ajoute ça dans l'huile et nous laisse à du cuire bien comme qu'il faut, euh, bien chauffer dans l'huile. Euh, là pendant 5 minutes nous laisse à croustiller comme ça, donc euh, sans bouger. Et puis euh, nous revient juste après pour tourner. Alors euh, quand on nous parle de volaille, il y a beaucoup de monde qui arrive volaille pays ici à la Réunion. Euh, il est très difficile à trouver le vrai volaille pays. Hein. Donc, euh, c'était Yvan Lazote, il euh, dit à Zote, ces volailles, euh, les élevées ici, là, euh, c'est des volailles que les élevées avec des produits, et, euh, des aliments qui sont en France, là-bas, fabriqués dans d'autres pays, euh, qui arrivent ici. Donc, le goût d'un volaille d'ici, euh, que autres, ils achètent dans le commerce, euh, emballé euh, sous plastique, il bah, a quasiment le même goût qu'en France, hein, donc, parce que c'est les mêmes aliments. Et puis, il euh, y a aussi des, euh, des règles que Bana utilise, hein, des. Euh, euh, des protocoles pour pouvoir nourrir ces animaux-là donc euh, voilà et si on a la chance d'avoir une cour euh, là encore elle est assez compliqué. encore bah, il faut avoir du maïs euh, qui n'est pas euh, OGM donc euh, transgénique donc euh, là aussi là c'est compliqué quand ça s'achète maïs rabato ou je ne sais pas quoi là-bas dans le magasin euh, pour faire soit une autre volaille ben, là encore on est dans encore des produits en dedans elle est assez compliqué quand même mais si on trouve un volaille la cour elle euh, n'est pas mauvais. mais le volaille la cour le, justement elle n'est pas comme ce poulet-là ce volaille là hein, un, un poulet qu'elle bah, cuit vite hein, il n'a pas besoin de mettre de l'eau dedans euh, voilà donc il est assez tendre bah, quand le feu il, quand il s'est fini à réduire je te dis baisse le feu complètement en dessous alors je fais re revenir bien le bas de volaille là-dessus hein, donc euh, à nous nous dit volaille et poulet <coughs> d'un temps longtemps elle bah, s'est dit on fait un carré volaille pour manger donc moi on me dit bah, un carré volaille bah, euh, le volaille il est considéré quand pour mettre nos de munitions dehors, volaille, c'est plusieurs, c'est dindes, c'est pintades, c'est tout ça mélangé, hein, quand il dit volaille. Mais nous, quand on dit un carré volaille, c'est un carré poulet, hein, donc voilà. Voilà, comme vous avez vu là, les morceaux l'entraînent bien frites, hein, comme qu'il faut, il faut laisser à lui bien revenir même, hein, avec un petit peu de temps, euh, pour, pour faire ça. Et puis, mes rappels, la recette est quasiment en temps réel. Hein. Moi, là, juste coupé un instant la caméra pour euh, le temps de de pas laisser monte azote euh, que les affaires en train frit, 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 hein. hein. euh, frit frit de frites, frites, frites. Zot l'a vu, donc 5 minutes, Zot il fait frites, azote, il fait frites ça. Et la préparation de ce plat-là, comme on l'a mis en description à la fin, euh, c'est pas plus de une quinzaine, une vingtaine de minutes. Ben, si Zot l'est assez fort, rapide en cuisine, donc, on n'a que les oignons, le tomate pour hacher. Après, on a l'ail pour avec du sel et du poivre. Alors, le poivre, bon, là aussi, il faut faire attention. Comme il dit souvent, on utilise le poivre en grain. va faire plaisir à votre palais. Et puis, il euh, n'est pas mauvais. Voilà, petit petite branche de thym que euh, ma mettre euh, en dedans là. Alors, le branche de thym, il faut bien... Pas pas mettre trop. Le thym là-dedans, c'est un volaille qui le Donc, euh, si vous mettez trop de thym aussi, il euh, euh, est assez compliqué. Il n'a trop, hein, trop, trop trop épicé. Alors, moi, la... moi fait de la cuisine euh, juste, juste. Hein, donc, euh, après, si les gens y aiment vraiment épicé, ça, tu peux ajouter hein, une branche en plus. Hein, voilà. Le thym, comme ça, tu vois là. Natou, <coughs> on a lu bien. Après, on a mélangé, lu bien en dessous avec mon gros cuiller là comme d'habitude. Alors, a l'huile bien et le thym il faut mettre à lui dans l'huile après. Essaye de classer dedans l'huile le frite là là de façon que euh, lui rende ses arômes hein, le thym, il n'a de l'huile essentielle dedans qui sort. Hein, quand tu à lui, ça te fait frite à n'a euh, un peu il râpe un petit peu, il met à lui à cuire dedans, mais trouve que les différents. Donc quand les torréfier comme ça dans la viande euh, le thym il rend bien son jus, il rend bien son, euh, son odeur et il parfume bien. Alors, vous euh, n'êtes pas obligé de mettre le thym euh, comme moi là. Il y a des gens ils mettent le thym en même temps le tomate et ils mettent le safran en même temps le tomate. Donc euh, là aussi c'est un, une façon différente de faire cuire. Et puis moi, m'y ajoute des tomates dans ce curry volaille là et dans les hauts, euh, Certaines personnes n'y ajoutent pas, hein, ils mettent comme il est là et elles fait revenir si doucement avec simplement du poivre et, euh, et de l'ail. Hein, donc sans plus. Euh, il n'est pas si mauvais que ça. Donc après, il dépend aussi. Hein. La cuisine de notre pays, la Réunion, euh, comme nous, on a des micro-climats ici. Nous, on a des micro-régions. Hein. Micro et euh, nous, on a aussi des quartiers et des villes qu'elle a développées euh, au fur et à mesure. Hein. Euh, euh, dans les Hauts, par exemple, on a une manière de faire que les différents de, de la cuisine des Bas et puis euh, les Bas, les différents de la cuisine des Hauts. Là, il va ajouter euh, les euh, oignons. Les oignons, là aussi, il faut faire euh, revenir à lui avec... Euh, euh, quand les, le, volaille, la finit, euh, le poulet a fini frite comme ça là, euh, nous ajoutons les oignons. Il hein, ne faut pas ajouter les oignons avant parce que les oignons n'auront pas le temps de, de caraméliser et euh, le poulet n'aura pas le temps de vraiment euh, friter comme qu'il faut. Hein, donc là, comme nous voilà. Après, vous n'allez pas obligé de faire revenir les oignons rose rose comme on m'a dit, où tout, où tout est fait cuit rose, rose. Quand on a fini ajoute tomate avec un petit peu de l'eau, ça t'y de l'eau dedans et le couleur rose, il disparaît complètement. Hein, donc voilà. Euh, alors là, nous mélange à lui bien là, nous mélange à lui euh, avec euh, les oignons. Comme ça, tu vois, les oignons ils reviennent vite. Hein, donc le feu est assez fort dessous. Euh, voilà. Alors tout en doucement, de façon à faire pénétrer les arômes quand même. Je pense que l'huile chaude qui, euh, qui infuse les oignons dedans. Et aussi le thym, il euh, n'est pas mal non plus. Là, il nous va ajouter euh, juste après, là, le temps que les oignons ils fritent. Vous avez vu, il est quasiment en temps réel. Hein, donc, il euh, euh, essaye de, de proposer Zot ces derniers temps-là, des recettes, des recettes quasiment en temps réel. Moi, de façon que Zotiwa il euh, n'est pas trop trop coupé, elle est très facile à faire. Hein. Donc, en attendant que le marmite y chauffe, euh, en je regarde la recette sur Zoti Télévision là-bas et en même temps, Zati euh, peut faire. Euh, voilà, en temps réel. Mais en règle générale, c'est à peu près 20 minutes, à peu près. Hein, euh, les gens n'ont pas trop de temps comme il a. Et puis le bain de poulet maintenant, il cuit très très vite, donc 20 minutes il est largement suffisant. Voilà. Donc le volaille, il est là. Là, les l'heure pour nous d'ajouter quoi Devine. Nous ajouter le lait avec le poivre. Et vous l'avez vu là, maintenant on de bien rougir, bien fondre un petit peu les oignons, bien rendre jus et nous ajoute, bien ajoute le de l'ail dedans. Et après, euh, il va tout en allu bien comme qu'il faut. N Oublie pas qu'il faut mettre un petit peu de, de curcuma dedans. Euh, le cucuma pays, ben, ça, si autres tu veux pas ajouter, je t'y ajoutent pas. Et puis, il y a une polémique aussi avec le cucuma. Ne dit, ouais, oh, ben, ça n'est pas bon, ça ils met pas, ça est ici, ça est là-bas. Nous, dans les hauts, ils mettent pas, dans les bas, ils mettent, ils ne mettent, ils mettent pas. Après, comme il dit, maman pas là pour apprendre à zotter à faire la cuisine, maman est là simplement pour partager ce que maman a appris. Après, si n'a d'autres, il fait de d'autres façons, les bon hein. Donc, chaque personne, il a ses goûts. Euh, et heureusement que les personnes bah, cuisinent différemment parce que sinon, euh, si tout le monde fait un standard comme euh, dans la pâtisserie, la pâtisserie, il fait des grammes et des grammes, tout ça n'aurait été pas vraiment correct pour moi. Euh, chacun a ses goûts et chacun y cuisine à sa façon. Euh, voilà des commentaires il nous aussi hein, ils mettent pas dans des commentaires on voilà, a vu euh, que mania bah ils, oh, ils mettent pas telle, telles telle épices telles épices n'est pas bon ou sinon ça fait comme ça mais ça c'est autre manière c'est autre euh, qui fait comme ça pas moi ma monnaie manière de faire et chaque personne n'a sa façon de faire euh, voilà donc, là, comme la nouvelle, là, si il voulait arrêter 100 euh, mètres de, de tomates, ils auraient mis un petit grain de l'eau, de l'eau, comme il dit, dedans pour faire cuire. Après, ce n'était pas mauvais. Et là, on a ajouté euh, des tomates. Euh, les tomates, il faut à peu près euh, euh, 4-5 grosses tomates, en gros, sans hein, euh, plus, parce que si ils veut la sauce, euh, là aussi, il est, il est important de mettre un peu de tomates dedans. Euh, malin réfléchi un petit peu et m'en avait parlé un petit peu avec Demoun euh, qui fait la cuisine dans les bas c'est dans les bas avant on avait euh, beaucoup euh, d'indiens beaucoup de, de qui étaient dans les bas parce que c'était euh, pendant la période de l'esclavage y avait la canne à sucre y avait tout ça là et eh bien, pour nourrir des gens la plupart du temps ben, il va aller faire un, un, un affaire où ça avait de la sauce parce que s'il n'y avait pas de la sauce c'était compliqué et puis dans les hauts c'était pas pareil dans les hauts nous avait des petits blancs des hauts nous avait des, des gens qui habitent dans les hauts là bas eh bien, ça, avait ça la cause, il voilà, avait tu pouvais faire, et puis dans les bas aussi, il avait aussi, hein, mais c'était assez compliqué, hein, parce que pour pas pas, pas tuer un cochon, pour tuer un volaille, il y a une affaire comme ça, là tu es contrôlé, euh, l'État contrôle tout ça, et était euh, assez compliqué. Voilà comme ça, tu vois là, il fait un petit peu d'histoire en même temps, il n'est pas historien, il y a des gens, il connaissent un peu plus que moi, donc euh, depuis des années, il m'y entend parler, il me fait des recherches, justement pour proposer des produits de qualité, à euh, manger que, qui rapproche le plus euh, de la culture réunionnaise, qui rapproche le plus de la, de la cuisine réunionnaise, hein. Euh, voilà. Vous allez remarquer, la cuisine réunionnaise, elle est un peu semblable à certaines cuisines de l'Hexagone. Pourquoi Parce que le peuple réunionnais, le peuple de la Réunion, a été, il y en a beaucoup de personnes de l'extérieur qui sont venues ici. Cela apporte aussi un savoir-faire. Et c'est un échange aussi qui a été fait entre telle ou telle nation, ce qui fait qu'il donne à nous cette cuisine métissée. Euh, bâtardisé, me dirais, parce que métissé, ben là, change le nom métissé, ben, y dirait, cuisine bâtardisée, euh, qui fait que bon, on ben, a un goût assez machin. L'Africain apporte son affaire, l'Indien apporte son affaire, l'Européen apporte euh, sa, sa façon de faire. Euh, les, euh, les, euh, le Nouveau Monde apporte aussi un peu son bas de avec les produits fumés, ben, ce qui donne à nous un produit assez conséquent. Euh, voilà. Euh, là, comme il est là, euh, mi baisserait le feu fait même de dessous, il essaie de réduire doucement de façon à ne pas ajouter de l'eau pour faire cuire les affaires. Mais après, si vous aime bien la viande bien cuite, euh, ben là, si vous avez les rapides, vous euh, allez ajouter un petit peu de l'eau dedans, un, un demi à deux dedans, vous allez mettre le feu, je laisse le feu à fond, et après, vous allez cuire. Voilà, ça, moi, je là, moi, la là, moi, là, mange à lui avec un rogaille brin gel avec cotomédie dedans, qui n'est pas mauvais, mais mais assure azote et avec du riz, et il passe très bien. Voilà, la recette l'a fini. Merci Azote d'avoir suivi ça. Et puis, Midi Azote, n'oublie pas d'abonner Azote pour être au courant des dernières nouvelles de la chaîne. Et puis, euh, bah, nous nous donnons à nous rendez-vous pour euh, la prochaine fois. Et merci encore pour vos autres bonnes commentaires, nombreux et nombreuses encore. Allez, tiens, un beau large pas. On se retrouve.